Bonsoir tout le monde. Je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo pour vous parler du muscle. Dans le muscle, il y a trois sortes de muscles. Il y a le muscle noir. Après, je vais vous dire à quoi ils servent. D'accord ? On a le muscle blanc. On a le muscle noir et le muscle blanc. Par contre, beaucoup de personnes ne connaissent pas le muscle rouge. D'accord ? Le muscle rouge, le muscle noir et le muscle blanc. Parce qu'il y a des gens qui croient que juste pour se parfumer. Et non. Tu peux te parfumer avec. Tu n'as pas besoin de mettre de parfum si tu mets du muscle. D'accord ? Les anciennes, nos grand-mères, dans les pays du Maghreb, se concoctaient avec ça. Enfin, se parfumaient avec ça. Alors, je vais vous dire à quoi ils servent. Vous avez, si vous faites par exemple le plomb ou le fer à cheval, ou, vous savez, on peut même se désenvoûter avec la pioche. Et ça, peu de personnes. Ce n'est pas en Europe. En Europe, non. Les Européens ne connaissent pas, ce n'est pas une technique déjà, pour se désenvoûter. Soit tu as le fer à cheval, soit tu as le plomb, soit tu as la pioche. Mais la pioche, bon, c'est pareil, vous faites pareil. Au lieu d'utiliser le plomb ou le fer à cheval, il faut la pioche. Mais il y en a qui ont des appartements, ils n'ont pas de ferme, ils n'ont pas de jardin. Sûr que... Excusez-moi, il y a un scooter qui passe. Donc, la pioche, c'est pareil. La pioche, il faut la brûler, il faut l'éteindre. Dans l'eau froide, dans une grande bassine, par contre. T'enlèves juste, t'enlèves le manche et juste de la pioche. Mais c'est pareil comme le fer à cheval. Tu l'as fait comme le fer à cheval. Tu ne la fais pas fondre, tu la brûles jusqu'à que la pioche, elle devient rouge. Donc, c'est pour ça que moi, il y en a qui mettent la technique, comment se désenvoûter. Excusez-moi, le plomb, quand on le fait, déjà l'eau, il faut qu'elle soit bien froide. Et il faut mettre des herbes. Si tu n'as pas toutes ces herbes-là, tu peux mettre que des feuilles de jujubier. Et du musc blanc, d'accord. Et du, comment on appelle ça? Et du safran, en cheveux, le vrai safran. Si vous n'avez pas toutes ces feuilles, par exemple les feuilles de henné. Tu auras besoin quoi? De musc blanc, un peu de safran, vous savez les petits cheveux là, mais pas moulu. Parce que tout ce qui est moulu, il faut que c'est toi qui le moule à la maison. Et tu mets les feuilles de jujubier, c'est tout, pour se désenvoûter. Et par contre, alors, on va parler des muscles. On va d'abord parler du blanc. Là, le rouge, je ne l'ai pas. Parce qu'en Europe, ils connaissent pas les ils connaissent le muscle, mais... ils ne savent pas qu'il y a le muscle noir et le rouge. Le blanc, si tu l'as, c'est encore mieux. À quoi il sert le blanc? Alors, je vais te dire ça. Le blanc, il sert, c'est-à-dire, au mauvais œil et jalousie. D'accord. Soit tu prends un petit tissu blanc, un petit peu aéré. Alors, aéré, c'est ce que j'appelle aéré, une tulle de dragée. Et tu n'as pas besoin de prendre un gros morceau comme ça. Tu prends un tout petit morceau que tu mets et tu mets dans ton sac à main. Et n'oublie pas, de temps en temps, tu ouvres ton sac à main et tu passes vers tes oreilles, ton cou, et tu le sens. Et tu touches avec tes mains comme ça. Juste un petit bout que tu mets dans une tulle. Ok. Jalousie, le blanc, c'est pour jalousie et mauvais œil. Ok, le noir, à quoi il sert le noir? Alors le noir, il sert à parfumer ses draps. Ou sinon tu vas prendre un petit morceau, pas tout ça, et tu mets dans ton oreiller, c'est-à-dire dans un tout petit bout comme ça, d'accord? Et tu mets dans ton oreiller, enfin sous ta taie d'oreiller, je veux dire.
Et avant de dormir, n'oublie pas de frotter derrière les oreilles un petit peu. D'accord? La paume des mains à la paume. Là. Et là, tu fais juste comme ça. Tu frottes. Et sur tes cuisses. D'accord? Par exemple, ça, c'est tes jambes. Tu frottes là. Un peu là, un peu là. D'accord? Mais pas l'intimité. Ok? Et vous allez sentir. C'est-à-dire, le djinn, le diable, il te déteste. Le diable, il ne t'approchera pas. Pour les appartements hantés et les maisons hantées, d'accord, si vous avez par exemple des manifestations un peu bizarres, le musc noir. Vous utilisez le musc noir. Parce que ce n'est pas les morts qui reviennent, c'est le diable. Le diable qui habite le corps du mort. Il te fait croire que c'est quelqu'un de votre famille ou quelqu'un qui est décédé ici. Non, le mort quand il part, il ne revient plus. Ce n'est pas le mort que tu vois, c'est le diable qui s'amuse. Pourquoi? Parce que quand il y a un décès, qu'est-ce qu'on fait? On couvre le miroir, tous les miroirs déjà, même la télé, écran d'ordinateur, on ferme tout. On note déjà les photos. Déjà, on note les photos. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le diable est en train de tourner. Et on note tout ça. Même les jouets en forme d'être humain, en forme d'animaux, ça, il faut les ôter. D'accord? Bon, après, tu peux les remettre, mais après le décès, il faut attendre 40 jours. Mais les formes d'être humain et formes, les jouets en forme, les décorations, c'est pas bon pour la maison. D'accord? Ça, le noir, c'est pour enlever le diable. Le blanc, on a dit le mauvais œil et la jalousie. D'accord? Le noir, c'est pour sentir le soir avant de dormir. Et tu mets un petit morceau dans un petit tissu, comme on appelle ça, une tulle à dragée. C'est tout, et tu mets dans ton oreiller. Alors, on va parler du rouge. À quoi il sert le rouge? Le rouge, il est plus efficace. C'est pareil, tu le sens et tu mets derrière les oreilles, tu frottes tes mains comme ça, même dehors, de temps en temps, n'oublie pas, tu es au travail, à la pause, fais comme ça. Après le lavage des mains, il faut se laver les mains, bien sûr, avant. Et nous, pourquoi ça, le musc rouge, malheureusement, je ne l'ai pas ici, c'est pour la sorcellerie noire, sorcellerie de séparation, sorcellerie de retard, par exemple. T'as du retard de papier, sorcellerie de séparation, sorcellerie, par exemple, manger, non, c'est autre chose, excusez-moi. Ça s'appelle sorcellerie noire. Et ça, les trois-là, c'est mieux de les avoir dans votre sac. Soit vous mettez tous les trois dans un petit tissu, une tulle à dragée, soit un petit tissu blanc. Et, de temps en temps, dehors, que ce soit au travail, soit vous les séparez chaque petit morceau dans un petit sac, pas de sac en plastique, tulle, d'accord, ou petit tissu blanc et propre, blanc, pas autre chose, blanc, c'est-à-dire le musc noir on met dans un tissu blanc, le musc blanc on le met dans un tissu blanc et musc rouge pareil, et vous les portez avec vous, ça va vous protéger. Sinon, vous pouvez les mélanger avec les ingrédients. J'ai fait des vidéos pour ça. Et les porter aussi avec vous. Et vous verrez. Par contre, le noir et le rouge, personne ne connaît. Par contre, méfiez-vous des vidéos qui vous parlent de la technique du plomb. On ne le fait pas comme ça. Déjà, la technique du plomb, quand on fait la technique du plomb, ça ne s'appelle pas comme ça. Déjà, l'eau, il faut qu'elle soit glacée. Et pour le faire pour quelqu'un, il faut son tissu, son linge, sale, pas lavé. Tu le mets dans l'eau. Ou la photo, tu la mets dans l'eau. La photo, tu ne la poses pas à côté. Elle ne va rien faire. C'est-à-dire, le plomb, tu l'éteins dans les photos, mais les photos ou si tu n'as pas la photo. D'accord. Si tu veux le faire en général pour toute ta famille, tu mets leur photo. Ou le mieux, c'est leur vêtement, mais pas propre. Il faut que le vêtement qui est quelque chose qui était en contact avec la peau. T-shirt, slip ou chaussette. C'est ça. Vous mettez dans l'eau et vous faites votre plomb. Même pour le faire à cheval, même pour la pioche. Vous verrez si je vous mens.
Et tous ceux qui font la technique du plomb, j'ai envie de leur dire arrêtez. Arrêtez si vous ne connaissez pas. Par contre, la technique, le désenvoûtement avec le plomb, il faut absolument les prières. Que tu sois de n'importe quelle religion, tu lis ta propre prière. La prière de ta religion. D'accord ? Si quelqu'un vous dit non, c'est pas vrai, non. Il faut absolument. Ce n'est pas une incantation. Il ne faut pas lire des incantations, il faut lire les prières. Les vidéos, elles y sont. D'accord ? Et croyez-moi. Mais n'écoutez pas n'importe qui. À bientôt.